Moi, j'aimerais savoir comment reconnaître un prophète quand il te parle de la prophétie. Parce que j'ai été au Togo récemment et il y a un prophète, bon, je dis prophète, qui vient me parler des choses. Et après, je lui ai dit non, il faut que je vérifie tout ce qu'il m'avait dit. Donc, j'aimerais savoir comment reconnaître quand la prophétie, il est vrai, quand on te parle de la. Ok. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16, le Seigneur dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Hein, donc à ses fruits. Et aussi les prophètes par l'accomplissement de leur prophétie, selon Deutéronome 13, tu vois, et 15 aussi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prophète n'est pas forcément celui qui vient prophétiser. Le prophète est celui qui vient pour ramener les gens à la parole. N'est-ce pas? D'abord, c'est ça la base du ministère prophétique. Le prophète, il vient, il vous dit, voilà, Dieu a déjà dit, le Seigneur a déjà parlé. C'est dans sa parole qu'il faut appliquer la parole. Voilà. Donc, vous savez, si vous recevez des fausses prophéties, vous pouvez être lié. Hein? C'est pour cela que, ah oui, si c'est des fausses prophéties, une fausse prophétie va créer en vous une fausse espérance. Mais bien sûr. Et vous allez attendre toute votre vie quelqu'un pour vous épouser, la personne ne viendra jamais. Vous vous rendez compte? Je prends un exemple, quelqu'un qui te dit, voilà, ma soeur, Dieu me dit qu'il ne faut pas voyager, il faut rester en France, par exemple, il ne faut pas t'installer aux États-Unis, alors que c'est faux. Parce qu'en France, le Seigneur te bénira. Mais tu peux rester 10 ans, 20 ans, tu peux perdre 20 ans de ta vie parce que tu as mis ta foi dans une prophétie qui est fausse.